Bienvenue à Honoré Mercier. Aujourd'hui, dans notre reportage, on va vous montrer comment que les jeunes de cette école passent leur journée. Alors, on peut voir que dans cette école, les jeunes apprennent avec beaucoup de détermination et amusement. Les jeunes peuvent développer leur performance en art dramatique car ils ont une grande auditorium. De plus, ils peuvent représenter leurs œuvres devant leur membre familial et les dirigeants de l'école. Ella. Elle parle, ou parle encore, ange resplendissant, car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête, comme le messager, elle est du ciel. Quant aux yeux bouleversés des mortels qui se rejettent en arrière pour le contempler, ils devancent les nuées paresseuses et volent sur eux, le sein des airs. Oh Roméo, mais pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et indique ton nom. Si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulette. Il n'y a pas juste les arts dramatiques dans cette école, non, il y a aussi la musique. Les jeunes apprennent sur des grands virtuoses de la musique. Ils jouent des chansons sur scène en représentation devant leur membre familial. Oui. En plus, il y a un cours d'art plastique. Les jeunes peuvent exprimer leur sens créatif en faisant des projets qui sont présentés dans les corridors de l'école pour décorer l'école. Toute bonne école, l'école compte de multiples activités parascolaires, comme par exemple le ski. Après une bonne journée de travail, les élèves partent chez eux pour se préparer pour le lendemain.